Yo les potes et tout le monde, j'espère que vous allez bien les gars. C'est Mathéo Doudou. Nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vous parlais de ma tortue de terre. Je vous réponds à des questions. Du coup, bah si ces genres de vidéos vous aimez bien, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Ça fait vraiment plaisir. Du coup, bah après les phases, mais partie 1, partie 2, je vais faire la tortue. Je vais faire une partie 2, mais genre dites-moi dans les commentaires plein de questions que vous voulez que je réponde en vidéo dans la partie 2. Vous me posez des questions sur la tortue et tout, comme ça. Vous me dites votre avis si vous aimez bien ce genre de vidéo. Du coup, bah voilà les gars. Alors bah c'est bon, la vidéo elle va commencer. Alors est-ce que la tortue boit? La tortue de terre elle boit très rarement. Elle boit quand elle a vraiment chaud. Je vais vous la faire voir juste après. Elle boit vraiment quand elle a chaud. Et voilà. Alors, est-ce que la tortue te reconnaît? Malheureusement, les tortues ne reconnaissent pas leur maître. Bah ouais, ils ne reconnaissent pas. Est-ce que ta tortue mange? Alors, la tortue, bah, est-ce qu'elle mange? Bah oui, elle mange. Alors, elle mange que 10% de son corps, de son poids. Elle mange que 10% de son poids. Du coup, elle mange que 90% de légumes et 10% de fruits. Moi, je donne une fois au matin, une fois au soir. La salade, je vais faire voir juste après. Que mange la tortue de terre? Alors, la tortue de terre mange des endives, des navets, des choux, des chicorées. Du chou, des chicorées, bah, brocoli, épinards, betterave, céleri. Le céleri, il mange que les branches. Oh, bah, voilà. Alors, ça c'est en légumes, il mange tout ça. Les légumes, faut pas les éplucher. En fruits, il mange des pommes, poires, pruneaux, prunes, cerises, kiwis, figues, oranges. Alors, pour les fruits, il faut bien les éplucher. Faut pas donner de peau. Ils peuvent s'étouffer avec et mourir. Du coup, bah voilà. Je vais vous faire voir dans un instant ma tortue et poser les dernières petites questions que j'ai écrites sur ces bouts de papier. On se retrouve. Et voilà. Donc, deuxième partie de la vidéo. Alors, bah, les dernières questions, ils sont là. Alors. Comment déterminer l'âge d'une tortue? Alors, comment déterminer l'âge d'une tortue? Faut toucher la carapace. Si la carapace est encore molle, c'est-à-dire qu'elle a moins de 4 ans. Mais vous ne saurez pas l'âge entre 1 ou 4 ans. Mais elle a moins de 4 ans. Si elle est encore molle. Prochaine question. Combien de temps vit la tortue? Alors, une tortue de terre, on dit plus souvent qu'elle a vit 100 ans. Mais en réalité, si elle est vraiment en bonne santé, ça peut vivre jusqu'à 120 ans. Alors, où se cache la tortue de terre? Et la dernière question, c'est où dort la tortue de terre? A besoin d'un abri. Alors, bah, la tortue de terre, ça se cache soit en dessous de ça, mais elle vient vraiment rarement. Des fois, elle creuse là. Regardez, je sais pas si elle est là. Des fois elle creuse là et elle va en dessous de ça. Bon, j'ai pas soulevé, je te fais renverser. Il faut bien une sèche pour que sa coquille reste bien dure. Et la sèche, faut qu'elle soit vraiment sec. Donc là il y a à manger, si elle a faim elle mange. Alors du coup elle peut se cacher aussi. Mettre bien du foin. Du foin c'est indispensable pour eux. C'est vraiment leur besoin du foin. Ça se cache en dessous et regardez, je vais vous faire voir dans un instant. Regardez, hop. Regardez. Elle est juste là. Donc là, elle a fait un trou. Regardez, elle est juste là. Elle s'est enterrée, mais pas complètement. J'ai rajouté du terreau, je peux pas parler fort. Je remets bien. Je remets bien le foin. Donc là, il y a une épaisseur comme ça du terreau. Allez, il y a ça, mais je rajoutais. Demain, j'en rajoute. Comme ça, elle peut s'enterrer plus.
Alors la lumière, c'est une 40 volts. Je sais pas, c'est une 40, je sais pas comment dire, le truc pour chauffer. Du coup, bah la lampe, ça, faut bien un truc d'eau, bien un truc chauffant. Je vais rajouter un tapis chauffant. Bien tout le temps une sèche, bien tout le temps du foin. Donc bien aussi tout le temps bah, du genre de terreau exprès pour la tortue. Plus des petits copeaux comme ça, bien un truc pour se cacher. Toujours un endroit là où elle peut le manger. Moi je lui donne soit bah, je lui donne tout le temps au matin et au soir. Du coup bah je vous mettrai une autre partie de vidéo quand on aura mangé tout. Alors si vous aimez bien ce genre de vidéos, n'hésitez pas à liker. Je ferai une partie 2. Dites-moi des questions, posez-moi des questions. Je vous répondrai tout dans la partie 2. Je ferai une partie 3 des phases parce que là elles sont vraiment grandes. Et je vois vous êtes nombreux à regarder bah, mes vidéos. Il y a beaucoup de vues. Du coup bah, si vous aimez bien, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et surtout partager. Mais j'aime bien quand vous commentez. Donc voilà, c'était Mathéo Doudou. Ciao les gars. Ciao. Regardez là, la tortue elle est occupée de manger. Elle n'a pas peur de moi. Voilà, elle mange. Tout à l'heure elle a été sur le foin. Là elle a rebouché le trou là où elle a dormi. Bon, là j'ai changé l'eau juste après. Bon là c'est le lendemain de la vidéo. C'est la dernière partie de la vidéo. Donc là j'ai mis des feuilles de chicon. Bah, de endives si vous voulez, elle en a déjà mangé une. Voilà. Je vous en laisse là les gars. Abonnez-vous, likez, ça fait plaisir, commentez.